Bonjour à vous. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette très belle chaîne ou bijoux de pied. Elle est vraiment, ça fait une jolie fleur. Ici vous avez des petits cercles. Là on a l'espace pour accrocher au doigt et avec sur les côtés donc une longue ficelle pour l'enrouler autour de votre jambe jusqu'à la hauteur que vous désirez. Les deux, pareil, ce qui est logique, des deux côtés, avec également deux petits cercles au bout. Et ça vous donne ça. Alors, pour réaliser ce très beau bijou de pied, je vous conseillerais de prendre plutôt un fil assez fin, du coton 100% mercérisé, c'est ce que j'ai pris ici, qui se travaille avec le crochet numéro 2. Au grand maximum. Autrement, vous prenez donc le coton que vous désirez avec l'aiguille de crochet adéquate. Ensuite, on va commencer par le cercle magique. Alors, pour faire notre cercle magique, vous allez positionner votre fil dans ce sens-là. Vous allez passer le fil autour de votre doigt. Vous allez entrer sous votre fil et ramener le fil à l'avant. Alors maintenant, on va lâcher le doigt, ça nous fait un petit cercle. Voilà. Ça nous fait un petit cercle. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté, on va aller à l'intérieur du cercle, du côté des deux fils qu'on va prendre en même temps. Et on va faire une bride. Donc on a un groupe de 2 brides. Maintenant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté, on retourne dans le même espace et on refait un groupe de 2 brides. Donc 1, 2. On a 2 groupes de 2 brides. On refait 3 mailles en l'air. 2. On retourne dans le même espace et on refait un groupe de 2 brides. 1, 2. 3 mailles de séparation. On retourne dans le même espace. On refait un groupe de 2 brides. 1, 2. Donc on a 1, 2, 3, 4 groupes de 2 brides, on doit en avoir 6 au total. Donc on refait 3 mailles de séparation. On retourne dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides. 1, 2. 3 mailles de séparation. On retourne dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides. 1, 2. Donc là on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 brides. On va tirer un peu sur notre crochet, prendre le bout du fil qui dépasse et tirer légèrement juste pour ramener pour l'instant. On reprend notre fil. Là on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et sur la première bride du départ, on va compter 1, 2. À la 3e maille, vous fermez avec une maille coulée. Comme ceci. Là, je retire un peu sur mon fil. Et maintenant, je vais vraiment bien fermer mon cercle. Maintenant que j'ai fermé, là, on tire un peu plus. Comme ceci. Alors maintenant, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Donc la prochaine maille, on la fait en maille coulée. Dans l'espace, on fait une maille coulée. On va démarrer de là. D'ici, on va faire 2 mailles en l'air. 2. Faire un jeté. On va aller à l'intérieur de notre petit espace et on va faire une bride non finie. Donc, vous ramenez votre fil. Un jeté, les 2 premiers, on ne la termine pas. On va faire une deuxième bride non finie. Donc un jeté, on retourne dans le même espace On ramène le fil, injectez les deux premiers. On a 3 fils sur le crochet, injectés à travers le tout. Ensuite, on va faire, donc là on va déjà faire une maille pour bien tenir. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Injecter. On va revenir dans le même espace et on va refaire 3 brides non finies. Donc vous ramenez votre fil pour faire une bride, injectez les deux premiers, on garde sur le crochet. Injecter, on y retourne. À travers les deux premiers, on garde sur le crochet. À travers les deux premiers, on garde tous les fils sur le crochet. Donc là, on a 3 brides sur le crochet. Injecter à travers le tout et une maille pour fermer. Donc on a 2 groupes de 3 brides réunies ensemble avec 3 mailles de séparation. Maintenant, pour passer dans l'espace suivant, on va faire 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Injecter. On va dans l'espace suivant et on fait donc 3 brides non finies. 1, 2, 3. Injecter à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. Donc on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté, on va faire les 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Injecter, on revient dans le même espace et on refait, pardon, on refait 3 brides non finies. Donc injecter, on ramène notre fil, injecter à travers les deux premiers, injecter, on rentre dans le cercle, injecter les deux premières boucles et là on fait injecter à travers le tout, une maille serrée pour tout fermer. On a exactement la même chose. Donc pour passer dans l'autre espace, on va également faire 7 mailles de séparation à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Injecter. On va dans l'espace suivant, on va refaire exactement la même chose. Donc une bride non finie, une deuxième bride non finie, une troisième bride non finie, injecter à travers le tout, une maille serrée pour accrocher. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Injecter, on revient dans le même espace et on refait. Donc une bride non finie, deuxième bride non finie et une troisième bride non finie. Injecter à travers le tout, une maille serrée pour fermer. Ce procédé-là, on va le répéter sur tous nos espaces. Donc ici, maintenant, pour passer à l'espace suivant, vous allez mettre 7 mailles de séparation. Dans l'espace, vous allez refaire 3 brides non finies, 3 mailles de séparation. Dans le même espace, 3 brides non finies. Pour passer dans l'espace suivant, vous allez remettre 7 mailles de séparation et ça jusqu'à la fin. Alors, quand on est arrivé à la fin, j'ai fait mes 7 dernières mailles de séparation et ici, je vous montre bien, on va les s'unir juste dans la maille qui tient les 3 brides ensemble et on va faire une maille coulée pour fermer comme ceci, voilà, il va bien. Ensuite, on va, ici on avait fait 3 mailles en l'air de séparation. On va aller dans la première, on va faire une maille coulée. On va dans la deuxième, on fait une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et on va travailler à l'intérieur des premières 7 mailles en l'air ici. Donc on va faire un jeté. On va aller directement dedans et là on va faire 7 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7. On va tirer un petit peu puisqu'on va rajouter encore cet autre. Donc là, on a fait nos 7 brides. Maintenant, on va faire On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va aller dans la maille ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Ici, on a le fil sur la droite et un autre sur la gauche. On rentre, on prend bien les deux, on ramène et on fait une maille coulée. On a fait un picot. Maintenant, de ce côté-là, on va faire à nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides d'un côté, un picot au milieu, 7 brides de l'autre. Maintenant, ici dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va simplement faire une maille serrée, comme ceci. Un jeté, on va aller dans le prochain espace, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait nos 7 brides, je tire un peu comme ceci. Alors quand on est à ce stade, le plus drôle c'est maintenant, parce qu'il est très beau, mais on doit faire quelque chose au milieu. Donc ici maintenant, on va garder notre fil, donc comme il est. On va faire 3 tours, donc on positionne bien notre fil de cette façon-là, et on va faire 3 tours autour de notre doigt. Donc là, ce serait le premier, donc j'ai passé de fil. C'est juste, c'est la chose qui est peut-être la moins évidente. Donc une, ce serait la 2, il m'en faut 3. La 2. Je tire un peu pour lâcher. La 2. Alors 1, 2 et 3. Donc là, j'aurai mes 3 tours. Comme ceci. On va passer sous tous nos fils, chercher l'autre, le tout premier, le ramener avec une maille coulée, comme ceci. Donc maintenant on va sur 2-3 points faire des mailles serrées. Donc déjà on ramène notre fil, on passe donc sous tous les fils, on va chercher, on le ramène, une maille serrée. On passe sous notre fil, on va chercher, on le ramène, une maille serrée. Là, logiquement, tous les fils sont bien coincés, donc on peut délicatement, déjà je vais enlever le crochet pour rien abîmer, retirer notre doigt, voilà. Donc là, on avait fait 2 mailles serrées. On va faire des mailles serrées à l'intérieur de ce cercle jusqu'à la moitié du cercle. Donc là, vous retournez dans le cercle, mailles serrées. Ça fera 3, 4, 5, 6, 7, mais pas la moitié encore, 8, 9. 10 et une de plus au cas où. Donc là, logiquement, on est à la moitié de notre cercle, comme ceci. Quand on est à ce stade là, maintenant la partie qu'on va faire là, je peux pas vous donner un nombre de mailles à faire. Ce côté là, qu'on refera ensuite de l'autre côté, va être la partie de, comment appeler ça, de la ficelle qui va s'entourer autour de votre jambe. Donc là, c'est en fonction du nombre de centimètres que vous voulez. Moi, je vais faire un nombre de mailles chaînettes d'environ 60 cm. Donc je ne vais pas compter les mailles, ça ne me sert à rien. Je vais simplement faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir environ 60 cm. Donc si vous voulez faire plus de tours à votre jambe, vous faites plus de centimètres, moins de tours, vous faites moins de centimètres. Moi je vais faire environ 60 cm de ficelle pour tourner autour de la jambe. Alors je vous laisse faire le nombre de centimètres désiré. Hop. On se retrouve ensuite. Alors quand vous avez fait les centimètres désirés, voilà, on va refaire la même chose qu'on avait fait ici, ces petits nœuds. Alors vous allez à nouveau prendre votre fil de cette façon-là et ensuite essayer de faire 3 tours autour du doigt. Alors, ce serait le 1, ce serait le 2, je tire un peu parce que je crois que j'aurais pas assez, ce serait le 2 ici, et là ce serait le 3. À nouveau, vous allez passer sous tous vos fils pour aller chercher le tout premier de l'autre côté. Ramenez tout ça. Hop. Et fermez avec une maille coulée. On va faire une maille serrée pour tout mettre ensemble. Là, on va refaire une ou deux mailles coulées, une ou deux mailles serrées, pardon. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Juste pour bien faire tenir tous les fils. Donc, vous passez bien sous tous vos fils, vous allez le chercher, le fil de l'autre côté, vous le ramenez et on fait une maille serrée. Donc là, on en a fait 2, logiquement, ça tient. On enlève notre doigt. Pour celui-là, on va faire des mailles serrées, mais sur tout le tour. Là, on va le fermer aux mailles serrées. Donc, vous rentrez dans le cercle que vous avez obtenu et vous allez faire des mailles serrées sur tout le tour de votre cercle. Quand vous êtes arrivé, donc, vous avez fait tout le tour, vous allez aller dans la première maille serrée et fermer avec une maille coulée, comme ceci. Alors maintenant, c'est là où c'est pas le plus compliqué, parce que je crois qu'on vient de faire le plus compliqué. Il faut qu'on mette bien notre chaîne que l'on vient de faire, droite. Donc bien les mailles vers vous. Puisque là, vous aurez compris qu'on va redescendre. Il faut qu'on redescende droit pour arriver du côté à l'endroit de notre travail. Donc là, là, voilà. Donc là, logiquement, je serai droite. Si je bouge plus... Alors maintenant, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille en l'air que l'on a fait, celle que l'on a fait en centimètres. Maintenant on va redescendre en maille serrée, donc vous entrez bien dans votre maille serrée, dans la suivante maille serrée, et vous allez faire ça donc le nombre de fois nécessaire en fonction des mailles en l'air que vous avez fait, le nombre de centimètres, jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Donc pour moi, là on voit bien qu'il est droit. Le point de départ, logiquement, c'est ici. Donc on se retrouve à ce moment-là. Alors quand on a fait toute notre longueur en maille serrée. Donc, j'ai fait ma dernière maille serrée. Le travail, vous voyez bien qu'il est droit. Donc, je rentre dans l'espace et je ferme avec une maille coulée. Ensuite, on va recouvrir ce côté-là en maille serrée, comme on a fait de l'autre côté. Donc là, vous allez simplement remplir ce côté-là en maille serrée. Ça vous donne un joli cercle, comme ceci. Moi, j'en ai mis, je crois, 10. Ouais. Donc, une de plus pour bien fermer tout ça, voilà. Alors, ensuite, on va faire un jeté et on va retourner dans l'espace où on avait commencé nos 7 brides et on va finir ce côté là. Donc là on va faire les 7 brides qui nous manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a formé notre deuxième pétale. On va aller dans l'espace suivant, on va fermer avec une maille serrée, comme ceci. On va faire un jeté, on va aller dans l'espace suivant de cette maille en l'air et on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tirer un petit peu. Alors ensuite on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va bien attraper le fil de droite et le fil de gauche, ramener et faire une maille coulée. Donc on a fait notre picot. On refait un jeté, là on va refaire les 7 autres brides de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a reformé une pétale complète. Ensuite, on va voilà, repasser dans l'espace suivant qui sépare le groupe des brides et faire une maille serrée. On va faire un jeté. On va passer dans l'espace suivant où on va refaire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2, 4, 6, 7, pardon, 7. Je crois que je m'étais trompée, mais non. Actuellement, on doit en être à ce stade. Donc ici, vous avez ce petit cercle qu'on a fait. La chaîne pour accrocher autour, enrouler autour de la jambe, plus ce petit bout à la fin que je vous montrerai. Alors maintenant ici, de ce côté-là, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. Donc on va refaire ce petit cercle avec cette petite chaîne ou grande chaîne en fonction de ce que vous avez fait comme mesure, plus de nouveau le cercle. Alors, je vais vous remontrer parce qu'il est très joli, mais c'est vrai que c'est juste cette partie-là qui, moi, m'a un petit peu plus... pas été évidente. On garde bien notre travail droit. Moi, je tiens bien mon fil pour être sûr qu'il ne part pas. Et ensuite, je m'éloigne un peu pour essayer de faire 3 tours. Alors, ça ferait 1. Là, ça ferait 1 ici. 1. Non, j'arrive pas à faire 3. Donc, je tire un peu pour lâcher. Là, ça ferait 1. Là, ça ferait 2. Encore un peu. Donc, ça ferait 1. Là, j'ai trop. C'est juste cette partie-là qui n'est pas très évidente parce qu'il faut trouver la bonne distance pour faire 3 tours. Donc, ça ferait 1 tour. Deux tours. Je vais y arriver, hein. Alors, ça ferait 1, ça ferait 2 et ça ferait 3. On va dire ça fait 3 parce que sinon je m'en sors plus. Là, à ce moment-là, vous passez sous tous vos fils pour aller chercher le fil de l'autre côté. J'ai fait 3 tours, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 2. Hein. Quand vous avez le fil de l'autre côté, vous le ramenez et vous le passez dans votre boucle pour faire une maille coulée. Là, vous reprenez votre fil, vous faites une maille serrée. On va faire 2 mailles serrées de plus juste pour bien accrocher tous les fils ensemble. C'est vrai que crocheter comme ça, c'est pas évident. Donc une, on repasse sous tous nos fils, on ramène notre fil, on fait un jeté et une maille serrée. Là, on peut lâcher. La plus pratique. Automatiquement, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on a fait déjà 3 mailles serrées. J'en avais fait 11 de l'autre côté. Donc, 3. On va remplir à nouveau la moitié de notre cercle en mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9. encore à moitié. Là, on a rempli donc la moitié. Ici, maintenant, vous allez refaire un nombre de mailles chaînettes de la même mesure que le premier. Vous allez simplement donc faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir la même mesure que de l'autre côté. Alors, dès qu'on a refait la même mesure de ce côté que de l'autre côté, ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire. À refaire le petit cercle. Donc à nouveau, moi personnellement je tiens bien toujours mon crochet, mon fil, j'ai peur qu'il parte. Ensuite on s'éloigne un petit peu avec le fil et on essaye de faire 3 tours. Vous pouvez en faire moins comme je vous ai dit. 1, là ça ferait le 1, ça ferait le 2, ça ferait le 3. Pardon, voilà. Ensuite, on rentre bien. On peut travailler. Si on a trop de fil, le fil s'il vient plus sur l'avant, c'est pas un problème. Donc, on peut très bien passer comme ceci, ramener le fil avec et faire une maille coulée. Donc, le passer dans la boucle, faire une maille serrée. Et là, vous avez vu que ce fil-là, je ne l'ai pas accroché en même temps. Donc, c'est pas grave. Là, quand on va faire les mailles serrées, vous le prenez avec. Vous le prenez tout simplement avec. Et comme ça, vous fermez. On fait déjà une maille serrée. Une deuxième. Et logiquement, on peut lâcher. Voilà. Là, à nouveau, on va remplir celui-là en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, comme on a déjà fait pour l'autre ficelle. On peut simplement faire des mailles serrées à l'intérieur pour le remplir. Donc comme vous l'avez rempli, vous fermez avec une maille coulée. Là à nouveau, comme tout à l'heure, on va pardon, poser notre travail, mettre notre chaîne droite pour qu'on commence à redescendre en maille serrée, mais toujours avec la chaîne bien droite, pour qu'on arrive du côté à l'endroit de notre travail. C'est tordu. Voilà. Là, désolé pour la coupure, mais c'est ce qui arrive quand le portable n'a plus de place. Donc, je vous disais, quand on a positionné notre chaîne bien droite, à ce moment-là, vous allez simplement recommencer à descendre en prenant bien dans chaque... Vous entrez bien dans chaque maille et vous allez faire une maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au bout de la chaîne. Tout simplement, au bout de cette chaîne-là. Alors, je vous laisse faire, comme on a déjà fait une fois. On se retrouve ensuite. Alors, dès qu'on est arrivé de nouveau à la fin de nos mailles chaînettes, je les cherchais, à la fin de notre chaîne, là, on doit arriver dans tous les cas à ce que le motif soit droit. Donc ici, quand vous avez fait votre dernière maille serrée, vous entrez dans votre espace, vous ramenez votre fil et vous fermez avec une maille coulée. Maintenant, on va faire comme on a déjà fait de l'autre côté. On va finir de remplir avec des mailles serrées. Voilà. Et de finir de remplir en maille serrée. À ce moment-là, vous faites un jeté et on va finir notre pétale. Donc on revient dans l'espace et là on va faire les 7 dernières brides qu'il nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait les 7 dernières brides. Dans l'espace suivant, on va fermer avec une maille serrée. Ensuite, on va aller directement dans le prochain espace de cette maille en l'air où on va simplement faire la pétale entière, donc cette bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va tirer un petit peu, on va faire les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va redescendre donc le long des 3 mailles et on a les 2 fils, un qui vient de la droite, un de la gauche, on les prend les 2, on ramène notre fil, on ferme avec une maille coulée, on a fait notre picot, on refait un jeté, puis là on va terminer à nouveau notre pétale en rajoutant 7 brides de plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or ensuite, on va aller dans l'espace suivant, on va fermer avec une maille serrée. Et ici on va directement dans le prochain espace, on va faire cette bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors maintenant ici, je vais essayer de vous montrer. Ici, on a les côtés pour passer autour de la jambe. Là, on va refaire un petit cercle comme celui-là avec des mailles chaînettes ensuite. C'est pour pouvoir accrocher à notre doigt de pied. Alors là, dès qu'on a fait cette bride, on va refaire ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui est le moins évident. Alors, je prépare déjà du fil. Alors, on tient bien notre fil. Et là, à nouveau, on recommence. On s'éloigne assez pour pouvoir faire 3 tours. Donc, ça ferait 1, 1, 2, donc j'arrive pas à 3, 1, 2 et 3. Vous passez bien sous vos fils, vous allez chercher le tout premier au fond, vous ramenez avec une maille coulée. On va reprendre notre fil, faire une maille serrée. Là, on va passer sous tous nos fils, ramener et faire une maille serrée. Repasser une deuxième fois sous tous les fils, ramener, faire une maille serrée. Et là, normalement, on peut déjà tout enlever de notre doigt, comme ceci. Alors ensuite, on va simplement à nouveau remplir notre petit cercle en maille serrée. On va le remplir à moitié, donc on va tirer un petit peu. Juste remplir la moitié. Là, donc là je dirais que je dois être à peu près à la moitié de mon cercle. Ici maintenant vous allez faire un nombre de mailles chaînettes pour pouvoir accrocher à votre doigt de pied. On va faire au fur et à mesure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ou non, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, si je reviens dessus, ça fait quand même petit, 20, 21, 22, 23, 24, 25, donc là ça devrait le faire. Donc moi je viens de faire 25 mailles chaînettes. Dès que vous avez fait donc, le nombre de mailles chaînettes qui vous convient, ou les 25, vous revenez dans votre espace et on va finir l'autre côté en mailles serrées. On va finir de le remplir. Donc là, ça devrait être bon. Alors ensuite, vous avez compris qu'on va finir notre pétale avec nos sept dernières brides. Donc un jeté, on retourne dans l'espace et on finit notre pétale avec les 7 dernières brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va ici dans la maille que l'on trouve, la deuxième ici au centre, et on va fermer. Avec une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille en l'air de plus. On va couper notre fil. va tirer dessus, ça nous fait notre nœud. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire une chose, enfin il ne nous reste plus qu'à faire une chose, ça va prendre une aiguille de couture adéquate pour bien cacher vos fils. Mais elle ne veut pas venir, c'était... Alors quand on a préparé notre fil sur notre aiguille, à ce moment-là, vous allez tout simplement se cacher vos fils à l'arrière de votre travail. Quand vous avez bien caché vos fils, que ça vous convient, on coupe. Celui-là, on coupe. Et vous vous retrouvez avec, je vais le mettre dans le bon sens, ce ne sera pas plus mal, avec un superbe, voilà, comme ceci. Pas une chaîne, mais collier aux bijoux, je ne sais même pas comment on peut trop appeler ça, mais il est vraiment super joli. Pas spécialement compliqué, vous avez vu, c'est plutôt ici où j'ai un petit peu ramé, mais autrement il est vraiment super joli et très beau pour cet été. Alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.